On vous souhaite la bienvenue à ÉricLatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'international de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On le sait, l'été dernier, il n'a pas fait très beau, ça a affecté les finances de l'événement et en même temps, on avait aussi coupé dans les frais fixes. Bref, c'est un défi de tous les jours que de financer, d'avoir une certaine pérennité pour un événement qui est emblématique pour la ville. La direction du Festival de Montgolfière y va d'une nouvelle tarification, billetterie, système de passeport. Bref, il y a beaucoup de changements, des changements importants. On en discute avec Marie-Claude Beauvais, accompagnée du maire et président de l'International, Michel Fecteau. Ça sent déjà le printemps. Qui dit printemps dit été. Qui dit été dit mois d'août, dit Montgolfière, évidemment. C'est un symbole fort, c'est un symbole important. Vous savez, il y a eu aussi certains changements au sein de l'organisation. Bref, on va parler de l'édition qui s'en vient. Deux invités pour en parler. D'abord, Marie-Claude Beauvais, qui est productrice exécutive et directrice générale. Bonsoir. Bonsoir. De même que Michel Fecteau, qui est le maire de la ville, mais également président de la corporation. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, Eric. Il se passe quoi avec les Montgolfières? Plein de belles choses. Plein de belles choses, mais particulièrement aujourd'hui, on vient vous parler de la nouvelle billetterie. Bon, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est différent de ce que les gens ont connu dans les dernières années? Bien, en fait, au niveau tarifaire. Donc, déjà, une grande modification au niveau tarifaire. Donc, en tant qu'événement le plus familial au Québec, de jour comme de soir, évidemment, notre objectif était de continuer et de faire plus pour la famille du Québec et la famille joannaise. Donc, principalement, trois portions. Donc, la portion bambin. Donc, préalablement, nous étions gratuits pour les enfants de 0 à 2 ans. Pour l'édition 2015 et suivante, nous serons gratuits pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc, vous étirez ça d'une année, c'est exactement. Ça donc, okay. Une année supplémentaire en gratuité. Également, pour nos ados de 13, 14 et 15 ans, donc, il faut se souvenir qu'à l'édition 2014, un ado devenait chez nous un adulte à partir de 13 ans. Donc, il devait acheter, se procurer un billet, une journée ou un passeport adulte. Maintenant, il va être une portion jeunesse. Donc, le jeune de 13, 14 ou 15 ans va pouvoir se procurer le passeport 9 jours jeunesse. Donc, pour donner un prix vraiment précis, donc, il payait en 2014 59 $. Il va payer pour l'année 2015 que 21 $. C'est donc, beaucoup moins, ça. Pour la clientèle des 13, 14, 15. Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'on deviendra adulte à l'international à partir de 16 ans au lieu d'à partir de 13 ans dans les années antérieures. OK. Si on résume, donc 0-3 ans gratuit. Tout à fait. Pour les 4 à 12. Donc, pour les 4 à 12, là, donc, on demeure, en fait, bien là, les 4 à 12 deviennent un 4 à 15. Donc, un 4 à 15 côté jeunesse. Donc, un billet un jour à 10 $ et un passeport 9 jours à 21 $. Et pour le 16 ans et plus, maintenant, on entre dans la fourchette adulte. Exactement. Donc, on entre dans la fourchette adulte. Donc, à ce moment-là, soit le billet un jour ou le passeport 9 jours. Et le billet un jour pour un adulte, il est de combien? Donc, il est, dépendamment si on vient le samedi ou le restant de la semaine, entre 25 ou 30 $, dépendamment du choix. Et le passeport régulier sera au coût de 61 $. 61, ce qui n'est pas beaucoup plus que l'an passé. 2 $. 2 $ à peine. Oui, ouais. Tout à fait. Bon, monsieur le maire, monsieur le président de la corporation, qu'est-ce qui a motivé la décision du conseil d'administration d'adopter ce plan tarifaire? Premièrement, les familles. Et Marie-Claude pourra vous parler aussi parce qu'on a un autre item qu'on va appeler le forfait Famille Plus, mais je vais laisser Marie te l'expliquer. Il y avait un élément beaucoup fierté. On s'est penché beaucoup l'année dernière pour les gens de Saint-Jean, principalement. OK? On sentait que, en fait, nos statistiques démontrent un peu un délaissement. Après ça, comment les jeunes, on a fait faire une planification stratégique. On a dit quel est notre public cible. Puis après ça, bien évidemment, aujourd'hui, on fait affaire avec des familles. Des fois, ça peut être deux enfants avec la mère, un avec le père ou vice-versa. On voulait s'attaquer aussi à ça. Mais pour qu'on poursuive à demeurer le festival familial le plus populaire, bien ça, c'est, on avait à s'adresser là. Maintenant, aussi, pour avoir un accès privilégié avec tout ce qu'il y a sur le site, il fallait voir la clientèle. Puis dans cette clientèle-là, on aura d'autres choses à annoncer plus tard là, en ce qui concerne comment on va les animer. Mais ce qui était intéressant, puis la vraie motivation, c'était, puis le conseil d'administration, puisqu'on a adressé aux gestionnaires, il faut absolument revenir à la famille. Il faut que notre clientèle, quand je parle de clients, je suis un peu habitué, là. OK, il faut que cette clientèle-là retrouve un wow, il faut que cette clientèle-là retrouve un prix abordable au niveau de l'entrée sur le site du Festival des Montgolfières.
Et je pense qu'avec et les prix qu'on vient d'annoncer, on touche vraiment, vraiment à la cible. Et je vais laisser Maître Claude t'expliquer le forfait Famille Plus, parce que ça, d'emblée, c'est encore un ajout vraiment là, que je pourrais appeler une coche au-dessus là, de tout ce qui se passe. Souvent, dans les forfaits famille, quand on va dans des lieux de divertissement, on est souvent dans la formule papa, maman et deux enfants. Hein? Puis là, souvent, même quand tu as trois enfants, tu es pénalisé parce que tu en as un troisième, mais au lieu d'en avoir deux. Mais, donc, là, je reviens au forfait donc Famille Plus, hein, c'est bien ça? Exactement. Ouais. Donc de quoi s'agit-il? Ça, c'est des bonnes nouvelles. Okay. Tout à fait, des excellentes nouvelles. Donc, effectivement... Ouais. Bonhomme, malheur, c'est toujours ça. Peu importe où on va, des adultes, des enfants. Et là, évidemment, on sait qu'il y en a qui ont plusieurs enfants. Puis il y a la famille moderne aussi, hein, qui se retrouve avec plusieurs enfants, puisque recomposés. Donc, on va se targuer d'être le premier événement québécois à offrir un forfait destiné à la famille plus nombreuse. Donc, on pourra avoir un forfait famille à 70 ou à 80 qui pourra être composé d'un maximum de 6 personnes. Et là, on pourra faire évidemment des amalgames de « nous sommes deux adultes avec 4 enfants, un adolescent, un adulte, des adolescents ». Donc, on pourra mêler ce forfait famille plus-là, mais qui sera pour un maximum de 6 personnes. Et on aura différentes possibilités pour pouvoir se procurer ce forfait famille. Quand vous faites vos projections de revenus basées sur les revenus des années passées, en modifiant la grille tarifaire, donc que vous souhaitez, je présume, avoir un peu plus de volume, ce qui va venir compenser peut-être des revenus, parce que là, si vous chargez moins cher, aussi pour une classe d'âge, vous chargez moins cher, on peut anticiper une perte de revenus. Mais s'il y a une augmentation du volume, ça se compense ou même c'est plus élevé? Je dirais mes projections? Oui, mais je dirais que les projections là, sont très, très optimistes, tout en étant réalistes. Mais à la base, le festival, c'est une marque de commerce pour Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? C'est une carte de visite. On s'est toujours posé une question, puis si on la prend en mathématiques, comme maire de la ville aujourd'hui, je me dis, demain matin, pour avoir les retombées que le festival génère, pour avoir la visibilité que le festival génère, j'engage une boîte de com, comment ça me coûterait? OK? À partir de là, la journée qu'on a fait ça, OK, on a des citoyens. Ces citoyens-là, ils contribuent, parce qu'évidemment, le festival, on le paye avec des revenus. Maintenant, il faut les redonner à nos citoyens. Il faut redonner aux jeunes familles qui étaient ici. Puis je pense que d'emblée, là, tu as un mot important, moi, le souhait, c'est qu'on ait plus de familles qui viennent participer à ce festival-là. Il ne faut pas oublier une chose aussi, là. On se garde un point marketing qui est important. Cette clientèle-là, c'est notre clientèle de demain. Okay? Le milieu, on avait peut-être échappé un peu le milieu. On avait le début, les bambins. On avait les adultes là, en haut de 45-50 ans. Là, ça, c'était, on ne prend jamais rien pour acquis, j'ai appris ça dans ma vie. Mais on avait quand même un trou, appelons ça de même, là, dans lequel il fallait l'adresser, puis l'adresser en termes de budget. Okay? Le budget à 21 là, on parlait ce matin, je parlais avec Émilie Pellier, que tu connais, elle disait, ça rappelait sa jeunesse, elle me disait, bien, avant de commencer l'école, on allait au festival, c'était un rendez-vous. Mais là, on veut que ce rendez-vous-là devienne un wow, devienne... quelque chose de récurrent pour ces jeunes-là et que ça devienne aussi des ambassadeurs pour le futur. Mais dans le fond, là, il y a plusieurs enjeux parce que, oui, il y a un enjeu au niveau des familles, il y a un enjeu au niveau des locaux, via les passeports. Est-ce que vous sentiez dans les dernières années qu'il y avait, je ne dis pas une plainte, mais que les gens disaient, ah, ben là, je ne sais pas, on s'empêche d'y aller parce qu'on trouve que c'est un petit peu trop cher, ou amener tout le monde, ça coûte trop cher, ou aviez-vous ce retour-là de la part des visiteurs? Pas tant en termes de trop cher, mais tu sais, on a toujours le défi, moi, ce que je dis toujours, c'est de retomber en amour avec l'international, le Montgolfière, parce que ça fait quand même 31 ans qu'on existe. Donc, c'est sûr que... Au temps où Michel le mentionnait, il ne faut jamais rien prendre pour acquis, mais il ne faut pas que les citoyens non plus prennent pour acquis qu'on est là pour encore pendant les 40 prochaines années. Il faut qu'ils aient envie de venir redécouvrir l'international de Montgolfière parce qu'on sait très bien qu'il y en a, ça fait plusieurs années qu'ils ne sont pas venus sur le site parce qu'ils voient les ballons de la maison, parce que c'est joli, puis bon, c'est plus simple, etc. Et donc, c'est tout simplement de donner une tarification accessible qui va faire qu'on va avoir envie de revenir sur le site de l'international et donc de développer cette fierté-là aussi d'être dans la capitale des Montgolfières. Mais la vente des passeports, c'est quand même quelque chose qui a explosé, ça, au fil des ans. Je me rappelle, au début, il y avait quoi, 2-3 000 passeports. Vous en vendez quoi, une quinzaine de mille, peut-être, à peu près? Oui. C'est quand même un gap important, là, quand on passe de 3 000 à 15 000. Oui.
ça a un impact. Puis les gens reviennent quoi? 3, 4, 5 fois dans la semaine, peut-être? Oh, sinon plus. Donc, pour vous, sinon plus. Donc, oui. Ça vous crée un achalandage, ce qui est optimal quand vient le temps de vendre la commandite. Là. Tout à fait. Mais en même temps, on s'est aussi rendu compte, si tu me permets, Maitre-Claude, on s'est aussi rendu compte aussi que dans certains groupes d'âge, on voyait à un moment donné à travers ça. Il n'y a pas juste les gens ici. On les locaux, c'est important. Mais on sait que la région, en été, hein, on a plein de on a juste regardé les campings qui nous entourent. Là. On multiplie la population par un bon nombre. L'année passée, on prenait comme exemple, on pensait que la clientèle en provenance de Montréal baissait à cause des travaux. On s'est trompé. Ça n'a pas été le cas. OK? Maintenant, la tarification, moi, je suis convaincu que cette tarification-là, premièrement, c'est une marque aussi qu'on est à l'écoute. Ça, c'est important d'être à l'écoute de la population. Il y a un beau petit clin d'œil qu'on fait aussi. Puis, sans le mettre en priorité, mais on se dirige aussi vers 2016. OK? Donc, cette année, là, on a une année de transition qui est importante. On a vécu des années un peu difficiles. OK? Mais il n'y a pas un festival que je connais qu'à un moment donné, que ce soit le cycle du soleil ou autre, là, à quelque part, là, tout le monde atteint un certain plafond. Et ça nous permet de se remettre en question, de dire, OK, on va faire de l'introspection, puis qu'est-ce qu'on va faire? Cette année aussi, il y a une belle nouveauté. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est là. Alors, le nouveau passeport. C'est le passeport, oui. Pas celui-là exactement, parce que celui-là n'est pas dans les couleurs, évidemment, de l'International de Montgolfière. Donc, le nouveau passeport sera aux couleurs de l'International. Avec un petit code barre ici. Voilà. Tout à fait. Alors, on délaisse la version papier avec la photo pour un bracelet. Ça va être moins compliqué, ça. Bien, ça va être beaucoup plus simple et honnêtement... Même pour vous autres aussi, là. Bien oui, tout à fait. Donc, les gens vont tout simplement avoir à aller acheter dans les mêmes lieux de vente que les années précédentes le passeport sous forme de bracelet confortable à porter pendant les 9 jours de l'événement. Et donc, il y aura un passeport, évidemment, adulte et un passeport jeunesse qui sera disponible. Vous savez, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Là, les gens vont dire, OK, mais s'il n'y a pas de photo, comment les gens vont-ils faire pour associer la non-transférabilité d'un passeport? Alors voilà, donc tout réside dans le port du bracelet. Ouais. Donc le bracelet, une fois, puis là je ne vais pas le faire parce qu'une fois qu'il est mis, il est installé pour les 9 jours de l'événement. Okay. Donc il va être vraiment sécurisé, positionné au poignet. Ouais. Et donc par la suite, il n'y a pas possibilité là, de pouvoir l'enlever pendant les 9 jours de l'événement. C'est sûr que les gens se sont posés la question, se sont dit là, il n'y a pas de photo, comment ils vont contrôler ça? Voilà. Ouais. Et donc il y aura possibilité aussi, évidemment, avec son code barre, de pouvoir aller s'enregistrer. Et donc, on va pouvoir aussi envoyer par la suite, étant donné qu'on aura vos informations, de vous envoyer. Mais c'est plus facile pour rentrer sur le site. Là. Je pense qu'à Québec, on fonctionne comme ça pour le Festival d'été de Québec. En fait, au niveau du Festival d'été de Québec, on fonctionne avec la RFID, donc qui est un procédé différent du code barre, mais qui est sur lequel on planche. On se planche aussi, qui serait un objectif ultime là, de se rendre avec la RFID. Tout ça est bien beau, billetterie, tarification, forfait, passeport, nouveau truc. Tout ça est bien gentil, mais évidemment, le facteur premier dans le Festival de Montgolfière, c'est la température. Puis surtout, quand il fait moins beau les fins de semaine, ça a un impact plus grand. On l'a vu, on parlait tantôt de finances et on parlait tantôt même d'évaluation de ce que ça coûterait avoir une firme de com qui donnerait le même rendement que le Festival de Montgolfière en soi. Où en est la réflexion du conseil et de la corporation sur l'avenir économique de cet événement-là? Parce que parfois, on a des bonnes années, on dégage des surplus. S'il fait moins beau l'année d'après, on a un déficit, mais ce n'est pas grave parce qu'on a un surplus. Sauf que là, quand on arrive, qu'on n'a plus de surplus puis qu'on a un déficit, ça devient préoccupant. Puis là, on est en famille, on est ici localement à Saint-Jean. Jusqu'où les contribuables sont prêts à aller pour supporter leur événement? Parce que le financement aujourd'hui, les subventions, c'est plus difficile que c'était. Oui, je dirais que peut-être pour rassurer les gens, là, d'ailleurs, on sort, Marie-Claude et moi, on a mis un comité ad hoc justement pour se pencher là-dessus. On va se faire accompagner dans les nouvelles réflexions. On vient de passer presque 3 heures en réunion. Au niveau du conseil, ce qu'on a décidé de faire, c'est que pour les 3 prochaines années, okay, on a, en termes de budget, on sait les impacts qu'on a eus, mais on sait aussi une chose aussi. L'an passé, 2013-2014, okay, en 2013, il y avait eu 2 jours de pluie. L'année passée, il y en a eu 5. C'est bien possible de le savoir. On a à peine 100 000 de différence entre les deux. Okay? Donc, ça veut dire qu'on a fait des coupures qu'il devait faire. On a fait de la saine gestion à travers ça. On a mis des modules. Donc, nous, ce qu'on se dit, avec les mesures en place, ce qu'on prend, ce qu'on dit, la pire année, puis des moyennes, etc., okay, le personnel, la gestion de ça, les personnes compétentes, le site, comme on a tout analysé. On a passé le budget de 2015 à la loupe, ligne par ligne. Okay? On est passé d'un budget de presque 10 millions à 9,2 millions pour l'organiser. Puis on est fondamentalement convaincus
qu'avec à peu près la même température que l'année passée, qu'on ne se souhaite pas, là, on n'arrivera pas avec de l'engrais rouge. Okay? OK? OK. Donc, on a fait l'exercice. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est qu'on s'est rendu compte que nos gens qui étaient sur le site, prend en moyenne 250 000 personnes, là, OK? Ces gens-là, sur le site, il y a de l'animation, c'est des gens qui vont consommer, qui vont dépenser. Donc, il y a une structure, il y a un produit offré. On va pousser cette année, on va mettre à contribution notre nouvelle bouture de tourisme. À un moment donné, on a un terreau fertile en agroalimentaire. Mais je pense que là, il faut prendre aux entités qu'on a, il faut travailler ensemble, dans une même direction. Puis on va préparer un terrain qui va être vraiment animé. Ouais. Et cette année, je suis très confiant qu'avec les mesures qu'on a mises, écoute, l'aide de dame température, c'est important pour nous autres. Là. Mais on a fait, on a posé des gestes concrets pour s'assurer qu'en bout de ligne, OK, qu'on soit capable d'arriver à... Le but de l'exercice, c'était pas de faire des profits, il était de ne pas perdre de sous. OK, on s'entend là-dessus. Maintenant, le conseil, sur la façon qu'on s'est positionné, on s'est dit, OK, on recommence l'exercice, on va se donner 3 ans. Ouais. À partir de ces 3 ans-là, on pense être capable de remettre ça sur les rails. Ouais. Et tous les partenaires, en commençant par co-gestion, que la gestion de ça, puis nous. Et le message ce soir qu'on veut dire aux gens, puis ce que je l'ai dit tantôt en meeting, là, il faut qu'on change le message. Il y a un message à un moment donné dans cette belle ville-là, il y a plein de choses qui s'en viennent, là. On va changer ce message-là. On n'est pas dans l'hostilité. Moi, puis on suit le Festival de longue date. Et là, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, j'ai entendu en cours d'hiver des gens me dire « Ah, ça sent pas bon. Est-ce que la Ville va endurer ça longtemps? La Ville ne pourra pas mettre 600 000 $ à chaque année pour éponger le déficit. » Donc, on entend des commentaires négatifs sur la pérennité de l'événement. Ouais. En même temps, pour les gestionnaires, c'est pas bon parce que quand on négocie des commandites, on négocie du long terme, on veut que l'événement soit assis, soit une forme de pérennité. Donc, le pire ennemi, c'est l'espèce de doute qui peut planer. Donc, ça prend un message qui, politiquement, est fort. Tout à fait. Pour dire, oui, on replace des choses, on fait des modifications, mais le message qui doit être envoyé à la population puis au public, c'est que l'événement est là pour rester. C'est l'heure de la guerre. Tu me poses la question, je te réponds très clair. Là, OK? On planche sur un triennal. Puis le plus beau message qu'on peut dire à la population, là, OK, on a un commanditaire qui a quitté pour ses 50e anniversaire, qui est Toyota. Mm-hmm. Tous les commanditaires ont renouvelé. Alors, si les commanditaires ont confiance à l'événement, ça doit être parce que l'événement fait quelque chose. L'an passé, là, le premier week-end, OK, aller jusqu'au mardi soir, OK, on était vraiment, là, sur le mode thermodial, sur le pace, là, sur l'objectif. Les jours de pluie, là, tout le monde était d'accord que ça a été. Mais l'an passé, on a eu 2 jours et demi de beau temps. Là, j'insiste sur le demi. Ouais. Là, on ne parlerait pas de... On parle du lundi matin. Du lundi matin, mettons. Okay? Alors, à partir de là, c'était là. C'est à peu près ça. Sauf que, bon an, mal an, je me retrouve des fois souvent aux commandes de quelque chose qui a besoin de ça. L'opportunité, Marie, on a travaillé ensemble pendant 9 ans, on se connaît. On a appris à se dire les vraies affaires. Puis l'année passée, elle peut te dire, rentrer dans mon bureau, j'ai dit, voici les coupeurs. Puis tu viens pas me voir pour un sou. Puis l'événement s'est fait. Okay? Cette année, on s'est remis au travail aussi. Mais en même temps, couper, c'est une chose. Performer, analyser la clientèle qui est sur place, comment on va l'animer, comment on va faire. Puis aussi, il faut amener les partenaires avec ça. La clientèle, si on ramène la clientèle, puis tantôt, on va venir t'annoncer d'autres bonnes nouvelles parce que là, il y avait des artistes, on le sait. Bien, ça, c'est l'autre préoccupation des gens. Parce que les gens vont dire, ah, bien, c'est ça, on a coupé dans le festival à cause de problèmes économiques, puis ça paraît parce que les spectacles sont moins hot. Ouais. Je résume, là, mais tu sais, c'est cette ça année, qu'on entend. Cette année, je reçois la population. Attendez-vous. Ils ne sont pas moins hot, les spectacles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes de signés? Tout à fait. Oui, OK. Tout à fait. Honnêtement, on les a signés plus tôt. Honnêtement, cette année, je pense, vous serez sans doute impressionné. Mais c'est un geste, si tu parles de plus tôt, Marie, le gestionnaire avait une problématique parce qu'il fallait arriver tôt. Ah, je sais, okay? c'est difficile. C'est avec des sous. Alors là, ce qu'on a fait, elle m'a adressé le vrai problème. Je me suis dit, essaye de te conseiller. Là, il faut prendre une décision parce qu'on va avoir des gens. Vous avez des dépôts à donner, là, c'est ça? Non, on est arrivé. Mais on a travaillé dans ce sens-là. Là, on a fait de la gestion à partir de là. Fait qu'on y croit à l'événement. Ça, c'est pas compliqué. On y croit vraiment. OK? Puis on est convaincu que cet événement-là va retomber sur ses rails. À partir du moment qu'il est là, ce qu'on dit à la population, on a mis en place, maintenant, on met une grille de tarification qui est là, puis on s'attend à ce que nos gens se réapproprient ce site-là. Les commentaires, c'est intéressant aussi, parce que là, on va rentrer dans des focus groups, parce qu'on ne détient pas le monopole de la vérité. On va se faire accompagner, puis on va aller chercher nos groupes cibles, puis on va aller chercher l'input, on appelle, là, okay, de dire aux gens, mais c'est quoi vous voulez? Moi, c'est une question, tu le sais, on en parle souvent. C'est important de demander aux gens ce qu'ils veulent. Après ça, on est capable de broder le produit, puis les gens viennent.
OK? Fait que c'est ça, c'est dans le moment-là, c'est là qu'on s'en vient. Parlons de plan de communication, parce que quand on fait des changements quand même assez importants comme ceux-là, bon, oui, il y a le web où les gens, parfois, qui sont curieux, vont aller voir un peu la grille de tarifs avant de se déplacer, tout ça. De quelle façon allez-vous communiquer ces changements-là à l'égard de la billetterie, de la tarification, des passeports, les forfaits famille et tout ça? De quelle façon allez-vous le communiquer? Donc, on a un plan de communication. On en parle ici ce soir, c'est oui, bien, là, mais au-delà de ça. Bien, au-delà de ça, bien, on a aussi, évidemment, nos grands partenaires médiatiques, nos, les partenaires traditionnels, mm-hmm. les partenaires sur le web. Donc, c'est évident que dans toute communication qu'on va mettre de l'avant, c'est évident que la nouvelle tarification va être annoncée. Également, on a une base de données aussi. Donc, on a déjà de la clientèle ouais. qui est adressée, qui est abonnée à l'infolettre, etc. Donc, dans chacune de nos sphères de communication, que ce soit sur le web, les médias sociaux, les médias traditionnels, etc. Donc, c'est clair qu'on va annoncer cette bonne nouvelle partout. Et donc, on commence évidemment par le local présent. On va annoncer aussi un nouveau produit cette année, hein, notre... Oui. On a plein de bonnes nouvelles à ça vous annoncer. Trop? Non, c'est pas. C'est une autre bonne nouvelle. Non, on va pas. Revenir vous voir. Okay. On a plein de bonnes nouvelles à vous annoncer. Bien parti. Ça finit par le ballon. Ça finit par ballon. OK. Mais non, mais ça, ouais. c'est. On a innové, je te dis. On a travaillé fort. Ouais. On a travaillé fort, puis on a travaillé dans l'enthousiasme ouais. parce qu'on y croit. Puis c'était une fierté. Et puis je pense que les gens là, à l'interne, c'est à nous à donner le message. Je dis toujours, là, c'est ce que je disais tantôt. J'avais trois élus avec moi. Je dis, c'est à nous. Alors, on entend ce que tu as entendu. Mm-hmm. Mais à un moment donné, quelque part, on est capable de l'adresser. Puis on est des gens compétents qui sont à l'autour de la table. Puis c'est important que ces gens-là se sentent appuyés puis savent exactement okay, où on s'en va avec ça. Donc aujourd'hui, billetterie, tarification, passeport, forfait, etc. Prochaine étape dans les annonces, c'est quoi? Animation, spectacle? Donc, effectivement. Donc, le spectacle. Puis comme Michel le mentionnait, d'autres bonnes nouvelles qui seront annoncées incessamment aussi. Au niveau de l'animation, des spectacles, avez-vous d'autres trucs à annoncer également? Des nouveautés. Des nouveautés. Des nouveautés. Ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant. Non, donc, l'équipe est réellement, honnêtement, l'équipe est réellement curieux, motivée. On travaille bon, super bien avec le conseil d'administration. Donc, vraiment, je pense, honnêtement, de bonnes décisions, justement, pour assurer la pérennité, avancer vers c'est le fait. Futur et faire grandir cet événement-là. Et donc, entre autres, avec cette annonce-là aujourd'hui, les bracelets, donc, s'assurer que la fierté. Tu sais, Eric, si je peux me permettre, les bracelets aux couleurs des montants, on sait souvent quand il y a des causes, hein, les gens, mm-hmm. il y a une curiosité. Donc, il y a un petit élément de fierté aussi là-dedans. Par exemple, là, t'as acheté un bracelet, puis il est nouveau, puis les jeunes, t'es rendez-vous de ça. Moi, je pense que ça va devenir. On pense, ouais. on table là-dessus, mais on le voit, les gens sont curieux, c'est une nouvelle façon de faire. On a pris le temps de l'analyser, on a écouté. Moi, je le dis, je répète souvent ça, il faut écouter pour être capable de livrer. On a des gens aussi passionnés qui veulent que ça fonctionne. À quel moment les passeports seront-ils en vente? Donc, à la suite de la première annonce qui, théoriquement, devrait se faire première semaine du mois d'avril, donc très, très bientôt. Donc, si on résume, les zéros jusqu'à 3 ans maintenant, donc les bambins, c'est gratuit. Tout à fait. De 4 jusqu'à, non pas 12, pas 13, pas 14, jusqu'à 15 ans, 4 à 15. Donc, le billet journalier est un peu moins cher, mais c'est surtout le passeport qui passe de 59 à 21 $ Exact. Et on devient adulte, dans le fond, c'est 16 ans et plus, avec un billet journalier qui est à 25 ou 30 si on est la semaine ou la fin de semaine, et un passeport qui est à 61 $ Tout c'est à bien fait. Ça. Et le forfait Famille Plus. Et le forfait Famille Plus qui permet jusqu'à 6 personnes. Tout à fait. Pourquoi 70-80 $ voilà, selon la semaine ou la fin si de semaine, le c'est samedi ça? Ou le restant de la bon, semaine. Grosso modo, c'est ça les changements importants au niveau de la billetterie et de la tarification. À vous deux, merci beaucoup. Bonne merci chance et on a déjà hâte aux prochaines annonces. Merci à toi. Merci. Restez avec nous au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses bêta, version 3.0, jeudi, 19h.
On recevait le maire il y a quelques instants. Bien, le maire et les conseillers vous invitent à la collecte de sang annuelle. C'est mardi, le 31 mars, au Centre des aînés Joannais à Saint-Jean. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous voyez l'horaire de l'émission à l'écran. Ne manquez pas aussi le télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets pour avoir la liste. TVHR9.com ou 358-1912. Voici les coordonnées de l'atelier du Haut-Richelieu pour me joindre directement par courriel. Notez bien l'adresse très importante ou toujours utiliser Éric Latour en un mot. À commercial tvhr9.com. Vous pouvez nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine et en rappel le dimanche à compter de 16h. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.